Eh ben, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi mouillé. Salut Bilox, bienvenue à toi, comment tu vas? Merci pour le follow, merci, merci, c'est gentil. Oh bah oui, écoute, un samedi soir tranquille, pépouze, un peu de farming, sur la limousine, et puis voilà quoi. Puis on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Alors, ouais. Ah ouais. Bah moi je suis sur la limousine, tu vois. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Voilà, c'est Poupoule. Ils font des œufs. Le fumier il arrive, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a reste à faire? Ouais, je devais faire du foin pour les vaches. Oups. Alors, tac. Non, pas là, Eric. Non plus, celle-là, je vais y arriver. Pauvre, sans je sais quel que c'est. Alors, depuis la dernière fois, j'ai acheté le champ en face et j'ai réaménagé pour faire un gain de place. Ouais, ils ont le stream farm, oui. Oui. Mais ils ont la nouvelle map qui va sortir dans quelques semaines. J'ai vu passer l'info. C'est laquelle, je sais plus. Ouais, la vallée de Old Street Map, ouais. C'est ça. Il y a Zero qui a présenté cet après-midi là. Ah, pas mal non plus. Donc j'ai changé la moissonneuse. J'ai mis les deux bâtiments là. Du coup, ça m'a pété un champ, mais c'est pas grave. Comme ça, je peux. J'ai plus de place parce que. Ouais, mais ils en parlent aussi, hein. Ils en parlent aussi, hein. De celle-là. À mon avis, après la Val d'Ostream Map, à mon avis, c'est celle-là qui va sortir après. Je pense. Parce qu'ils en parlent aussi, hein. Y a pas mal de maps françaises qui vont sortir dans les prochains temps, là. Ah, ça va faire du bien un peu de jouer un peu sur la France, sur des françaises. Alors. La limousine pour moi elle va pas mal. Il y a pas mal de choses à faire dessus. Bon, il y a des trucs à améliorer bien entendu, mais bon. Après c'est quand même pas mal. C'est quand même bien. Moi j'ai pas de bug spécifique. Bon, j'ai juste relevé un problème au niveau du silo de compost de la ferme là ici là. Ça m'a spawné un peu à l'arrière. Mais ça, ils sont en train de rectifier avec la nouvelle mise à jour qu'ils vont faire là. Après, on verra quoi. Mais sinon, après, dans l'ensemble, c'est pas déconnant. Les vols culture marchent bien. Non, ça. Je crois que j'avais déjà fauché. Est-ce que je crois que j'avais déjà fauché. Eh oui. Il faut que je le fane. C'est ça, faut que je le fane, ouais. Putain, quand tu commences la map et que tu sais plus où t'en es, c'est pas terrible.
fait tellement de choses en même temps. Parce que celui-là, celui-là, est-ce qu'il n'est pas prêt à faucher? Non, pas encore. Donc, je peux retourner. Faner, endainer les bottes, les ramener en haut. Après voir ce qu'ils disent les moutons. Et puis après on verra. Ah oui, il faut quand je mette de... Je regarde au niveau de l'herbicide. Du champ en haut aussi. J'en ai mis pour, mon... pour les poutres, donc ça c'est déjà réglé. Ça c'est réglé déjà. Je vais pas prendre le gros. Quoi, il y a quoi? Il y a le 800 là. Le 600, je crois qu'il a l'herbicide dessus. Ouais, bon, on va le laisser avec l'herbicide dessus. Alors, je vais prendre le 800. Ouais, je vais aller. Ouais, il a encore ouvert le concession. Je vais aller vite fait acheter ce qu'il me faut. Faut que je travaille le champ là aussi. Voilà. Ça c'est le dernier champ qui me reste à faire. Donc ça va. Alors. Endaineur, faneuse. Là. Endaineur. Et les autres, ouais, je les avais loués, donc ça je peux les dégager, rendre, alors, au fur et à mesure on est pur, hein. J'ai rien d'autre à dégager, pour l'instant non, non ça va, hop là. C'est parti. Moi, je verrai bien la quantité que, que ça va me donner. Alors moi, il est quasiment à fond, donc ça devrait être pas mal. Encore un champ de lin à semer. Là j'ai fait celui-là, j'ai fait celui d'en bas en lin pour la farine et la ramener à la boulangerie. Voilà. J'espère que je vais arriver à faire tout ça avant qu'il fasse nuit.
Normalement, oui, je pense. Les 17h. Comme ça, j'ai quoi? J'ai l'ancelage de trèfle, il est prêt. La paille, ça sera à voir après, plus tard. C'est bon comme ça pour la ration totale, il ne manquera plus que l'ensilage. Sans l'ensilage, faut que je regarde le champ qu'il y a en maïs. Je sais même pas s'il y en a. C'est vrai que je n'ai même pas mis encore du maïs. Au pire, je ferai de l'ensilage d'herbe. Au pire. Jamais. Ça passe. Oh putainaise. Coup de vent était méchant. Bon, après en map, c'est pas évident. Après ça dépend ce que tu cherches. Tu cherches une grosse map, une petite map. Ça c'est pas évident non plus, hein, de faire son choix. Après, il y a l'élevage breton qui est pas mal pour une petite map. Moi, je joue dessus aussi. En multi avec un copain. Elle est pas mal non plus. Près des clôtures, garçon. Aujourd'hui, le temps était catastrophique. Maman. Voilà, la flotte qu'on a pris là. Toute la journée. Voilà, ma map là elle est pas mal, elle est bien parce que t'as plein de fonctionnalités dessus, il y a plein de cultures, tu peux faire plein de choses. T'as pas mal d'animaux différents. Non, et puis elle est agréable à jouer. Elle est vachement fluide, il n'y a pas de saccade, pas d'à-coups. Et pourtant, je suis garanti que mon dossier mode il est balèze. Hein. Il est ultra balèze. J'ai la dose dedans.
normal, je suis à 60 FPS constant, je bouge pas. Et en boost, je suis à quoi? Je suis à 30, 110, 120. Par là. Donc, tranquille quoi. Seul freeze que j'ai, c'est quand il y a la sauvegarde, c'est tout. C'est parti ou pas? Quand même passage encore. Ouais, 2, 3. Ouais, 2, je pense, ouais. Ouais, faut que je regarde. C'est que j'ai pas pensé à regarder où on était le maïs. C'est vrai que j'ai pas pensé, j'étais tellement. Focalisé sur l'ensilage par ballot. Voilà, ça c'est fait. Poser ça et chercher le landener après.
Faut que je refasse l'entrée de champ là, que j'ai modifié. Que je vais arriver à commencer par là-bas ou pas? Ça va. Ouais, les barres sont un peu... T'as la saloperie, poteau. Encore une fois, voilà.
Là, que la presse, quand je vais arriver, ça va être tendu du genou. Voilà, ça va déjà mieux comme ça. Ça fait des beaux andins. Avec deux détours, ça va suffire. Hein. Pas si tant. Ouais, je pense que je dois en avoir un petit paquet quand même là-dedans.
Je crois que je vais me faire emmerder avec la pointe là. Je vais descendre, faire la descente là. Puis je sens que ça. Je vais faire de la merde. Salut Céd, comment que tu vas? Ça va mieux? T'avais l'air un peu énervé sur le Discord. Je comprends pas pourquoi. Oh punaise. Ah, il y a des champions, hein. Non, c'est Cédric qui s'est un peu fâché. Pas toi, mais. Cédric qui s'est un peu fâché sur le Discord. Oh bah oui, hein. Carrément. Carrément. Les gens ils font n'importe quoi, après ils viennent se plaindre, toi. Ça c'est clair. T'es pour ouvrir une succursale. Tu fais H24, c'est bon. Ouais, ça c'est clair.
Ouais. Et pourtant, comme je disais tout à l'heure, hein, à Bilox, hein, Ah bah oui, ah bah ça. J'ai des modes, j'ai la dose, hein, dans mon dossier. Hein. Bah, je pourrais pas te dire comment il fait, mais j'ai un paquet. Hein. Je pense que en nombre de gigas, je dois être bien. Bah, tu regardes, hein, bah, depuis que j'ai commencé, tu me suis, tu vois comment que je joue. Hein. J'ai pas une merde, j'ai rien. J'ai rien du tout. Hein. Mais bon, voilà quoi. Les aléas de la célébrité. Ah bah oui, ça de toute façon, ça c'est clair. Ça c'est clair. Bah après, je passe sur les sites non plus à la con, toi. Je vais sur des sites qui sont connus pour pas faire de la merde, toi. Je passe sur 36 sites à la fois. Ça sert à rien. Ouais, pareil. Bah, j'ai encore sur FS22 mode, et encore pas tout le temps parce que j'ai pas trop confiance à eux. Parce que je sais qu'ils ont tendance à piquer les liens de certains modeurs ou tout ça. Donc, je suis pas très fan. Mais de temps en temps, je regarde, et puis si je trouve quelque chose là-dedans, je regarde si les sur King Mode en général il y est. Hein. Donc, ça, je tape dans la description et je cherche direct, couteau toi. C'est un truc qui me plaît. Alors c'est comme ça que j'ai trouvé le Manitou d'Agri. J'avais pas trouvé. Ouais, bah oui. Il avait dit sur King Mode. J'ai trouvé sur King Mode, mais j'ai galéré. Mais j'ai trouvé. J'ai trouvé sans demander. Ben, c'est vrai qu'il est bien parce qu'il est super stable. Il est vraiment super stable comme Manitou. Avec les grosses roues. Bon, j'ai téléchargé un pack aussi de l'après-midi pour justement les télescopes. Et j'ai modifié la capacité d'un godet. Alors on verra quand je le remplis si Manitou il lève, je le diminuerai. Mais je pense que normalement celui qu'il avait là, il est assez stable, donc je pense qu'il devrait tenir quoi. Après bon, il faudra pas que je fasse des dingueries avec quoi, mais hier en fin de partie, j'ai vu un truc ici. Après, je sais pas si c'est moi qui ai mal versé, peut-être par-dessus ou pas. Hier, quand j'ai fait le compost, mais il y en avait ici, là, à l'extérieur. Là, c'est toi. Bon, je l'ai enlevé. Il y avait quoi? Il y avait, je crois, à peu près 8000 qui étaient dehors que j'ai enlevé. Mais par contre, ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Mais par contre, tu vois devant, bah, comme je crois, bah, tu as dû voir peut-être hier, ou c'était peut-être parti, je sais plus. Là devant, bah, quand tu tasses, quoi, bah, tu en as forcément qui viennent devant ici. Et bah, quand tu repousses, si tu repousses, ça fait un tas devant. J'arrive pas à le rentrer dedans. Mais je sais que j'ai vu que dans la prochaine mage, ils vont faire un truc sur les silos de compost. Moi, je verrai bien.
Et si même si je le prends en godet, si je le prends en godet et je vide une dent par-dessus, il n'accepte pas. On peut que vider en benne en faisant le i quoi. Après c'est un truc à savoir. Maintenant je verrai bien avec la prochaine mâche qu'ils vont faire, si c'est pareil, ben je viderai plus au fond. Ouais ben voilà, c'est pour ça, je t'ai dit hein. Je t'ai dit hein, il y a de fortes chances que moi je suis venu derrière et que ça a débordé. Hein, tu vois. Mais je pense que devant, ou alors je me suis mal pris, c'est possible aussi. J'arrivais pas à pousser. Toi, tout ce qui était ici devant, en tassant, j'arrivais pas à le repousser dedans. Bah, peut-être que j'ai pas la bonne lame ou pas, je sais pas. Après, je verrai bien quand je referai celui-là à côté. S'ils font pas la mage avant. Alors s'ils font la mage avant, ben. Je verrai bien à ce moment-là, quoi. Mais c'est tout, quoi. Mais quand j'ai vu là. Parce que je pense que si il avait débordé. Devant, ça me fait. Je leur ai demandé. Ah, ça te le fait aussi, toi. Ah, ok, d'accord. Ok. Ouais, bah après, il suffit juste. À la limite, de remplir plus au fond. Et de s'arrêter un peu plus tôt, quoi. Sans le remplir complètement, à moins que on puisse prendre le godet, voilà, ou à moins qu'on puisse prendre le godet et le verser de l'autre côté, toi, s'il y a mis ça, on peut, toi, regarde le Manitou, j'ai trouvé avec les boops, et je pense que voilà, sinon au pire, si, comme je t'ai dit tout à l'heure là. S'arrête un peu plus tôt et puis voilà, hein, puis c'est réglé. Hein. De toute façon, des silos de compost, il y en a un paquet sur la map. Hein. Donc avant de les remplir. On attend de voir venir. Hein. Ah oui, ça aussi. Là, moi j'avais un manque de place pour ranger mes engins. J'ai acheté ce champ-là en face, champ d'herbe. J'ai mis deux bâtiments. Du coup, ma moissonneuse et mon ensileux, je la mets là. Et là, je vais mettre tous mes tracteurs ici. Comme ça, ils ne traînent pas dans la ferme. Donc, un petit bâtiment là-bas. Histoire 2. Et puis voilà quoi. Comme ça, c'est en face. Puis, je trouve que c'est pas mal. C'est pas si mal. Ça permet d'optimiser un petit peu. Ça m'a pas coûté grand chose, ça m'a coûté quoi que le petit champ en face de la ferme. C'est pas dérangeant. Tu as condamné un bout du champ. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, parce qu'après le champ il remonte. Il remonte derrière, tu sais. Et après, le problème c'est que quand tu mets un bâtiment après, bah, le terraforming il te modifie direct le terrain. Et après ça fout la merde quoi dans le champ d'à côté. Toi, après si jamais il y a des clôtures ou quoi, ben. Toi, ça dénature tout quoi. Donc après ça c'est pas cool par contre. C'est pour ça qu'après, bon là, c'est que de l'herbe. Après voilà, c'était pas. Et puis il était pas très très grand. Donc pour moi ça m'a pas dérangé outre mesure quoi. Pourquoi je vais pas prendre celui-là? Parce que celui-là il va un peu se chier dessus. Ouais, j'ai rhabillé le champ derrière quoi toi. Une clôture et puis j'ai mis de la végétation derrière. Voilà, et puis tu vois rien. Tu vois, si tu sais pas qu'il y avait un champ avant, tu le vois pas quoi. Oh, c'est pas si mal. Ah, il est où? Il est là. Par contre, il faudra que je pense à un de ces quatre, les mettre au karcher, les gros là. Parce que. Commence à devenir un peu cradingue, hein.
Sinon, depuis hier, j'ai joué un peu en off. J'ai semé mon lin. J'ai encore un champ de lin à semer. Pas encore, mais je l'ai mis, hein. Je l'ai mis. Après, j'ai vu dans ta vidéo que tu avais à un moment donné, t'as les bottes qui restaient coincées au-dessus. Mais je l'ai prise, hein. De toute façon, je l'ai dans les modes, hein. Ça oui. Je l'ai posé dedans. Et puis la prochaine fois que je fais des petites bottes, dès que je vais faire des petites bottes de paille pour les poules, bah, je prendrai celle-là pour voir la différence avec l'autre. Mais bon, ce qui est bien, c'est déjà il y a déjà le plateau derrière. Donc ça, c'est super. Comme ça, je peux récolter comme toi t'as fait sur ta vidéo en même temps. Ça, tu gagnes du temps. Je l'ai mis là. Oh, putain, à chaque fois que tu fais un truc, c'est une sauvegarde, c'est un truc de fou. Là. Ici. Là, la mémère. Ici. Ah, voilà la petite mémère. Elle est là. Elle est sympa aussi, hein. Elle est sympa. Mais je pense qu'elle est mieux. À l'arrière, elle est mieux finie au niveau de la sortie des bottes que l'autre. Parce que l'autre, j'ai l'impression qu'elle a un décalage que j'ai vu quand j'ai pressé avec. T'as les bottes, elles sortent pas comme il faut dans la sortie, tu sais. Et c'est pas le cas de celle-là. Allez. Ah ouais, bah voilà. Est-ce que ça est déjà mieux calibré? Je pense que la botte est mieux centrée dans la sortie que celle que j'ai utilisée moi. Bon, en plus, elle est tombée à l'après-midi. J'avance un peu dans les champs. Alors, je fais le champ, pas celui qui est ici en face, celui qui est un peu au-dessus là. Là, je regarde, je dis oh ben comme il faut déchaumer, parce que le semoir ben, c'est pas une semi directe donc pour semer les nouvelles cultures. Et je dis ouais, ben, je vais déchaumer. J'arrive trois quarts déchaumé. Ben, non, même pas, j'avais fini de déchaumer. Putain, je regarde, je veux semer. Putain, il veut pas. Putain, je dis, pourquoi il veut pas? D'un coup je regarde, je vais dans le PDA, doit être labouré. Oh putain. J'avais la rage. J'avais la rage. Laisse tomber. J'ai dit ouais, j'ai perdu du temps à déchauffer alors que j'aurais pu labourer direct. Comme ça, j'ai le lin, il est prêt. Bon, j'ai hâte qu'il sorte pour faire fumer un peu le. Là, j'ai trouvé l'endroit que je te disais où il y avait rien dessus. C'est là quand tu prends la route là, celle-là à droite là. Tu continues tout au fond et tu arrives. Oh putain, je vais y arriver. Tu arrives normalement à un passage. Attends, je suis où? Je suis où? Je suis où? Je suis où? Là, ici, là. Là, ici, on est en dessous du 128, là. Ici, ouais. Ici, t'as rien du tout. Moi, je sais pas s'ils ont prévu dans la marge de mettre quelque chose ou pas.
ou s'ils laissent libre choix aux gens de mettre ce qu'ils veulent. Alors, je sais pas. Ça, j'attends la mage, je verrai bien s'il pose quelque chose dessus ou pas. Mais je pense pas, parce que sinon je pense qu'il l'aurait mis avant. Bon, je sais pas. Ah, ok, d'accord. Bah, je m'en. Comme ça, là, ici, là. Alors, je pourrais faire. Soit mettre. Bah, je sais pas si la. Si la. Comment dire? Je perds mes mots. Que je voulais dire? Oh, je perds mes mots maintenant. Oh merde. Ouais, c'est la stabule. Oh, là, la stabule à vache. Celle d'origine du jeu, si elle prend aussi les cultures spéciales ou pas. Ou c'est seulement les. Seulement les stabules que eux, ils ont mis dessus. Ça, moi je pense qu'elle va prendre les cultures normales. Elle va pas prendre les cultures spéciales. À moins que ce soit lié directement à la map, je sais pas. Ça, c'est à voir. Sinon, j'aurais mis comme stabule à vache là-bas. Ouais, tu vois, bah je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Sinon, toi, j'aurais mis une grosse stabule là-bas à vache. Toi. Histoire d'augmenter un peu le cheptel, quoi. Ça pourrait être. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est une question que je me suis posée cet après-midi quand je suis retombé dessus. Toi. Je voulais presque la placer, mais après je me suis dit, ouais, mais. Si je la place et ça prend pas les nouvelles cultures dans ce village, comme dans ce village de trèfle, de luzerne et tout, tu sais. Bah, juste c'est un peu dommage, quoi. Bah bon, je verrai bien. Et sinon, je vais faire une plantation de moulins. Je vais faire une plantation de moulins. Bah, faudra que je pose la. Peut-être pose la question à Agri si à l'occasion sur le Discord. Je verrai bien. À moins que toi tu as l'info avant. Ce que je doute pas si jamais tu poses la question. Et moi je pense que ça va prendre les cultures d'origine. Je pense. Ah oui, je sais, ouais, ils sont assez réactifs. Hein. Bah, je sais que quand je posais une question, ils sont assez réactifs. Hein. Ils hésitent pas. Après, dans les lives, c'est plus compliqué pour moi parce qu'ils streamaient beaucoup le matin. Et là, matin, bah, je regarde sur les rediffs, quoi. Et juste des fois quand vous streamez le soir. Ah oui, ça aide, ouais. Ça aide. Ouais, puis bon, il est sympa. Il a l'air sympa. Hein. Ah bah oui, ça c'est clair. Ouais, puis il est toujours de bons conseils, il explique bien. Il explique bien.
Ouais, c'est pour ça, bon, qu'après, quand tu as des questions, tu as quelqu'un comme ça qui est assez réactif, qui t'aide, tu vois. Comme toi, tu m'as aidé aussi. Toi, ça fait plaisir, quoi, tu vois, quand tu donnes des conseils. Toi, c'est sympa, hein? C'est sympa. Toutes les infos sont bonnes à prendre, toi. Même si ça fait longtemps qu'on joue à farming, toi, on en apprend tous les jours, hein. Ah, ça c'est sympa, ça, toi. Ça c'est sympa des fois. Ça fait des bons souvenirs. C'est là que tu vois comme quoi des fois toi là, un ordinateur ça peut créer des... ça arrive à quand même à créer des liens avec des gens, toi. C'est ça qui est bien. Ah oui. Ouais, toi, ça permet de connaître des gens. Ça, hein. Y a pas que du mauvais dans l'internet. Ah, puis alors, même quand tu joues à un jeu comme ça, toi, tu te détends pour une journée de boulot. Même si t'as passé une journée de merde au boulot, bah, tu viens, tu joues à ça. Hop, tu te détends un peu. T'as des gens qui te parlent. Même si tu les connais pas perso, mais des fois, bah, tu tapes des sacrés barres. Hein. Bah, je connais des gens. Hein, j'ai discuté avec des gens, mon pauvre, tu tapes des fous rires, mais un truc de malade. Hein. Alors que tu les as jamais vus. Tu connais qu'une voix. Hein. Tu ne connais qu'une voix. Eh ben, j'en ai à faire pas mal quand même là-dedans. Rendement n'est pas mauvais. J'ai vu dans le live qu'ils ont que Katia a fait, ils avaient perdu leur sauvegarde avec Pierre, Maxou et tout ça. Ah oui, bah c'est ça, hein, c'est ça. Bah après, c'est toujours pareil, hein. Après, tu ressens les gens, hein. Oh, c'est pareil, hein. Ah ouais. Ah bah ça arrive, hein. Ouais, mais bon, après, toi, après, les gens, t'as... Même en discussion, tu sais, tu t'arrives à ressentir si t'as le feeling qui passe ou qui passe pas, quoi, toi. Après, sans avoir forcément, peut-être les mêmes convictions, hein. Mais après, en discutant, bah, t'arrives à déjà à cerner un peu la personne, quoi, toi. Et bah, pour l'instant, j'ai jamais, 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 jamais eu de soucis avec qui que ce soit. Jamais. Jamais eu un mot plus haut que l'autre. Je sais pas à me plaindre. Hein. Tous les gens qui viennent me voir. Ou qui passe, j'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre, rien. Franchement bien quoi. Bon, après je suis pas. Vas-y, bah tourne pas. Tourne pas.
Ah oui, c'est clair, hein. Ça sert à rien. Bah ça sert à rien, je dirais pas quatre chemins. Hein. Vaut mieux, voilà, tu dis les choses telles qu'elles sont et puis après voilà. Au moins ça met les choses à plat direct. Au moins la personne elle sait à qui elle a affaire. Hein. Moi, je suis pareil aussi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'ai, mais pour l'instant, j'ai jamais eu à. Même à bannir ou quoi que ce soit. Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais eu besoin de faire. Ni de faire une remontrance à quelqu'un qui fait des remarques désobligeantes ou quoi, dans ce style-là, toi. Jamais. Après, j'ai peut-être de la chance, hein, mais bon. Mais bon, il y a que quelques. Toujours pareil, c'est quelques personnes qui font que. Mais bon, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. C'est comme tu as dit au tout début quand on s'est côtoyé, de dire on est là pour soutenir et puis pas pour se tirer dans les pattes. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Pas si on peut s'aider ou s'entraider, il n'y a pas de raison. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y en a assez qui la font pour nous. Bah pour nous, façon de parler. Ça, elle est pas pour, elles la font pas pour nous. Hein. Mais il y en a assez qui la font pour rien. Des fois, la plupart du temps. J'en ai pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, peut-être encore une ou 15, et 2, 15, 17, une vingtaine quoi. Ouais, bah c'est bien. Ça, on mettra tout ça dans les. Dans le silo pour les vaches, ça c'est déjà fait. Il y en a quand même qui sort là, voilà. On est bien, Tintin. Ah, ces champs-là. J'ai tout déchaumé. Et il fallait labourer. J'étais vert. J'étais vert. Toi, je voulais finir avant qu'il fasse nuit. Bah, ça va être nickel chrome. Ça, j'aurais même le temps de semer encore le 105. C'est le dernier champ qui me reste à faire de lin.
après, il faudra que je sème encore en lin celui qui est en face du concessio. Comme ça, j'ai un bon stock de lin. Ça sera top quand ça sera pas récolté. C'est parti. J'ai jamais été par là-haut. Enfin, j'avais fait un tour vers là-haut aussi, un de ces quatre. Bientôt allumer les luminaires, ça continue. Voilà. C'est faire le tour comme il faut, pas comme au-dessus pour le trèfle, j'ai oublié un ballot. J'espère que j'ai juste à mettre de l'engrais là-dedans. Voir si le pH il est encore correct ou pas. Ah non, 16. Ouais, je pensais que j'avais compté 17. J'en ai 16. Je vais revérifier. Qui est tombé dans le coin là des fois, non? Non, apparemment pas. Donc j'en ai bien 16. Non, et plus rien. Ok, impeccable. Impeccable. Ben 16, c'est bien. C'est bien 16. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Ouais, nickel, il n'y a rien à faire. pH, il est encore bon. Ouais, si je mets un coup d'azote, je suis reparti. Impeccable. Ça mettra un coup d'azote là-dedans. Mais ça, je m'en occupe plus après.
Ouais, faut quand même qu'ils aillent au lavage les tracteurs, hein. Maman. Normalement, le foin, il est à gauche. Nickel. Ouais, ça et au cordeau, hein. Au millimètre. Au millimètre, les ballots. Ouais, du coup, normalement, quand je vais les sortir, on se pone là. L'enfoiré. C'est vrai, ben, un poil, hein. Un poil, hein. Là, ouais, c'est vrai, deux tiges, me suis dit, ah, il va dire, ouais, c'est bien, c'est nickel, non, il arrive à trouver. Ah non. Oh purée. Tu m'étonnes. Le mec qui est content de son truc et t'as l'autre le démonte direct. Oh purée. Ah la vache. Karcher là-bas. Ça, je vais le nettoyer là-haut. Je vais mettre un karcher par là. Toi un peu parce que maman avant que ça vienne critique. De quoi quoi?
Non, je disais, il faut que je nettoie avant que ça devienne critique. Ah. Ça c'est bon. Je mettrai juste l'engrais après dedans. Je vais finir mon de semer mon champ le 105 là-haut. Le tracteur, il est où? Là. Moi, je descends, j'ai encore assez. C'est bien, nickel. Je retombe dans le vert. Ah, ceux-là, ils sont faits. Première fois que je suis arrivé dans le champ là, j'avais pas vu les fossés. Ah bah, je m'en suis rendu compte après. C'est ça. C'est ça. Je suis arrivé là, j'ai vu le chemin. J'ai vu le chemin, mais je suis allé là, ici, là, au bord, là. Là, dans le trou, là. Là, ici, là. Ah, je t'ai posé, mon pauvre pépère. Voilà. Ça marche, ça marche. Comme ça, celui-là il est fait. C'est quoi qui dépasse là-bas au bout? Un endroit qu'il a pas labouré. Il a des chances. Ouais. Un endroit qu'il a oublié de labourer. Satané ouvrier. Bosse. Ouais, j'espère que je vais arriver à finir. Il me reste plus que 11%. Bon, ça pue du genou, ça.
Bref, 3% par ligne. Putain, ça va être tendu. Hein. Intérêt à optimiser. Pas normalement, c'est plus court l'après, mais. Oh la vache. Ça va être complicado. Tu vas pas me rester grand chose, hein. Est-ce que je vais arriver à tout prendre ou pas? Ah, je vais pas arriver à tout prendre. Eh ben, j'aurais pas misé ma chemise là-dessus. Hein. La petite crotte là, il me la prend ou pas? Ouais, c'est bon. Oh la vache. 20. 4%. Hein. Allez, celui-là il est fait aussi. Plus qu'à le remplir. Parce que je vais voir encore assez pour mettre l'engrais dans l'herbe. Ça. Ça après, j'avance le temps, passer la nuit. Pour ça, si je peux mettre l'engrais tout de suite. Ça secoue la route. Hein. J'ai dû mordre un peu sur le bas-côté. Quand j'ai avancé le temps, celui-là à droite, il va être prêt. Normalement, l'épeautre en haut devrait avancer un stade. J'ai enlevé la mauvaise herbe. Donc ça c'est bon. Et j'ai le blé qui est au-dessus. Normalement il devrait encore avoir un stade. Donc ça devrait aller. Voilà. Ah non, c'était en engrais, c'est en engrais que j'avais puré. Voilà, elle nous remplit.
que je passe par là. Parce que ça va pas le faire avec les doubles essieux, les roues jumelées derrière. Et voilà, je ne sais pas ce que tu fais. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus rien. Bon, j'ai plus rien qui traîne dans les champs. Celui-là, il va être tendu aussi pour rentrer là-dedans. Bon, on monte un peu sur les dés de béton. Voilà. Alors, je vais prendre l'engrais. J'arrive à le mettre. J'arrive à voir où j'en mets. Cool, en plus il est plein, impec. Ouais, impeccable. Ouais, il passe pas au vert, hein. Pas encore, hein. Là, je pensais qu'il allait passer quand même plus dans le vert que ça. C'est-à-dire qu'il comptabilise pas tout.
Ou alors il doit être peut-être labouré. Mais non, il me l'aurait dit. Non, pourtant il est parfait en azote. Le pH il est bon. Bon. Quand ça va prendre un stade, peut-être que ça va changer. Peut-être. Nickel. Timing est respecté. Et s'il était à fond, de toute façon ici, je regardais tout à l'heure, il me semble. Ouais, il est pareil, il est aussi à fond. Rendement potentiel 100%. Oui. Bon, bah écoute, on va laisser comme ça. Bah, je sais pas si je remets dessus, est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas. J'aurais pas de différence de toute façon. Non, de toute façon, il en met même pas. Donc, non, pour lui, il est à fond. Donc, c'est bon. Donc, c'est que c'est bien. Recède. Ça, j'ai avancé le temps. Avant d'avancer, on va enlever ça. Point qui traîne, non. Et c'est parti.
Toi, je pourrais faire dodo d'un coup, hein. Ça irait aussi, hein. Je fais dodo ska demain matin. Et mon dodo. Là. Voilà. L'affaire rompige. Alors, qu'est-ce que ça dit? En croissance, il y a quoi? Il est fané, le 106, pourquoi? Ah non, c'est l'orge de printemps. Si, retire les fans. Ah, c'est des betteraves. C'est des betteraves. C'est des betteraves. 104 pas près. J'ai rien d'autre qu'à bouger. Non. Et juste les betteraves. En haut, comme champ, il y a quoi? Le 93. Soit du blé. Ça, je vais faire l'impasse. Si j'en ai déjà. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Triticale 75. Mais putain, c'est loin. Le 1 et le 2. Le 1, c'est les betteraves aussi. C'est prêt. Il y a quoi là-dedans? Ah, c'est le maïs. Il y aura du maïs là dans le 36. Ah, il peut y avoir du maïs dans le 36. Vingt-deux, 21. Ça, c'est du seigle. Ouais, du seigle. On va acheter ça. Tac, les infos avec. Voilà. Ça c'est fait. Et donc il faut que je récolte des betteraves. Poup, 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 poup. D'abord, je vais aller voir la tronche de mon moulin. Oh, on va aller et nouveau blindé. Ah bah oui. Une nuit. Une nuit. Eh ben. Alors, il y a tout qui spawn derrière. Maman, Seigneur. Tu m'étonnes. Pourquoi je pleurais dans 2 minutes? À cause de la farine. Je pleure déjà. Je pleure déjà. Je pensais pas que ça allait donner autant. Ah, ça, je peux laisser là.
Attends, j'ai ça. Mais j'ai ce que j'ai de la dernière fois. J'ai toujours pas vendu. Hein. Regarde. Ah bah, je vais vous laisser, moi, parce que je pensais en fait que le blé dur passait aller à la boulangerie. Et du coup, bah voilà quoi. Ça va pas la boulangerie. Bon, après il me reste c'est encore 6 400. Et après à la limite, même si c'est pas le temps pour la vente, je la vendrai. Parce que je vais pas attendre que le mois de juin. Attends, je suis en octobre, je vais pas attendre le mois de juin. Farine, blé dur. Allez, je suis quand même à 2000. Déjà pas dégueu. Octobre. Ouais, octobre, ça commence à monter. Tout à octobre, ça fait 1, 2, 3, 4, ouais, 5 mois. 3 mois, janvier. Janvier, je peux vendre. Ouais, bah, je peux attendre encore janvier. Ouais bah oui c'est clair, ça c'est clair. C'est pour ça que je voudrais attendre janvier. Parce que là il est déjà à 2000 euros. Ouais je peux... Ouais 2005 il affiche. Ouais, ça peut être pas mal. On va avoir une belle dose. Hein. Par contre ça faut que j'enlève, j'affire de là. Mais je crois qu'elle est en location de toute façon celle-là. Je l'ai pas loué. Je l'ai loué celui-là. Oui. Alors, je peux la rendre. Voilà. Là, ça règle le problème. Et du coup, ça, mon nuit, je pourrais la foutre là-bas. Ça, la farine, jamais une à côté de l'autre. Fais pas de dinguerie. Allez. Mets-toi comme il faut. J'ai failli faire bêtise. Avec le mur à côté, on va être tendu. Avec le joystick, c'est chaud. Hein. Ouais, ça ira. Ça ira. Ouais, comme ça. Je vais prendre la mettre là-bas. Ouais, je vais remplir direct là. Ouais, je vais pas les coller parce que ça, si je les colle, je sens pas bien. Là. Il est perdu. Ma petite palette. Ça me restera à faire. L'herbicide dans le 23. Tu l'as dû prendre à un stade normalement. J'avais déjà de la mauvaise herbe qui poussait dedans. Bon, je vais pouvoir pas en remettre dedans. Bon, c'est clair que quand je vais devoir vendre ça, maman seigneur. Ouais, je suis plus prêt à l'enfer du blé dur, je te le dis. Allez,
Lâche-moi là. Après, c'est Mié, Triticale et là. Après, on s'attaque aux vaches. Pas tout de suite. Voilà. Faut de la matière pour les vaches. Pourtant, pour l'instant, j'en ai pas assez. Hein. J'ai pas assez de paille. J'ai pas d'ensilage. Bah, j'ai le trèfle, si, mais ça va pas être suffisant. J'ai rentré le foin. Ça, c'est fait. Salut Rémi. Comment ça va? Ça va, ça va. Je me fais des rails. Ah bah tant mieux si ça va super. C'est bien. Moi je me fais des rails, tu vois, je me prépare. Je prépare une sextape. Ça va donner. Ah, de la farine, il y en a. Hein. Voilà. Alors. J'en étais où? J'avais dit quoi? Ouais, le 106, donc les betteraves à récolter. Les betteraves, c'est cochon. Cochon, 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 cochon. Je pense que ça doit être par là. Ou c'est par là. Là, ici, ça doit être la Syrie, peut-être, je pense. Non, la Syrie est là. Et la Syrie. Ou c'est peut-être là, les cochons. Ah, je sais pas les voir. Hein. Je vais pas faire les cochons tout de suite. Ça c'est bon. Les poulets, ça c'est fait. Je vais faire la betterave pour faire le sucre. Mais là, il y a pas mal de champs qui sont prêts. Ça me fait chier de pas les faire. Putain, ils sont loin. Là, il y a quoi? C'est quoi ça? L'épeautre? Ah, tu m'étonnes! Tu m'étonnes! Ça, c'est clair! Ah, sa petite triticale. Attends, je dois aller visiter là. J'ai regardé ce qu'il y a dedans. Ça me chagrine. Là, c'est soja, ok, ça on est d'accord, oui. Mais là, c'est quoi? 113, luzerne. Oh, luzerne. Je préfère l'ensilage de luzerne. Putain, ça, il va être aussi pas facile à faucher celui-là. Là, ici, il y a quoi? Du blé dur qui est en cours de croissance, c'est pas là que je vais aller. Ça, c'est toujours le soja. Ça, c'est de l'herbe. Ah, mais je suis en dessous, moi, je suis con. Hein. Je suis à l'opposé. J'ai rien compris au film, moi. Sacré tarpitnaise. Moi. C'est à l'autre côté de la route. C'est pas le champ là, c'est le champ au-dessus.
Ça, pour moi, je voyais ça en épeautre. C'est de l'épeautre, on est d'accord. Le 91. Le betterave. Ok. Ça, l'épeautre, on va pouvoir le torcher. Le 93. C'est quoi? Du blé dur. Encore? Putain, mais ils en ont mis partout. 95. C'est soja, on est d'accord. Pas juste chercher celui-là. Le 94, comme c'est de l'épeautre. Ça, c'est intéressant. Alors, là. Allez. Alors, t'as pas envie? Merci. J'y arrive à force. Voilà. Ça, je peux récolter. Ok. Ah bah, ça, je vais pas récolter grand-chose, mais. C'est rempli de mauvaises herbes et puis l'azote est pourri. Mais bon, ça a toujours ça de récolter. Que je pourrais emmener à la boulangerie. Bah, moulin déjà pour commencer. Faut que je passe devant le concession là du coup. Oui, c'est ça. Devant le concession. On trace la moitié du patelin. Prochain à droite. Vous êtes arrivé à destination. Ouais, je me suis gargé un peu la Walgendou, hein. Ouais,
Je suis garé à la vacances, je te pousse de côté. Hein. Voilà. Ouais, pas le temps. J'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai envie de pisser. Oh, et puis je parie que des grands hic, hein. Oh mon seigneur. Mais je vais même pas ramener un tracteur, je vais partir avec la, ce que j'ai dans la trimite avec la ferme. Fournir un tracteur pour ça. Alors faut juste espérer que je reste pas coincé dans les arbres avec la trémie, c'est tout. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. Mais elle va bien. Elle va bien. Après, si c'est pas assez gros, on verra l'usage. On changera. Ah, moi, je suis pas dans la moitié. Je suis comme passé de la Ducano à ça. Il y a un léger changement. Ouais, t'as la quasi-H, toi. Ouais. Mais t'as aussi une barre à 13 maintenant. Ah oui.
Ah d'accord, ouais. Ouais, bah après c'est sûr quoi, si tu fais une série complète, oui, ça je comprends, ouais. Ouais, faut que ce soit cohérent avec ta série, quoi. Ouais, moi je fais pas de série, je joue à la bonne franquette. Ouais. Je prends comme ça vient. Puis après je regarde ce que je peux faire. Et puis quand je peux faire les animaux ou pas, quand je peux faire évoluer ou pas. Et puis voilà quoi. Après, tu fais toi-même, tu fais comme une série sans en faire une, quoi. Machinalement. Mais c'est moins. Moins réel que ce que toi tu vas faire, ça c'est sûr. Ouais, t'sais, tant qu'on prend du plaisir à jouer, et tant que les gens prennent du plaisir à nous regarder, c'est le principal. Moi, j'en demande pas plus. Tant que ceux qui regardent passent un bon moment, et que moi, j'en passe un bon aussi. Ah oui, ça tout va, c'est ça tout à fait, je suis d'accord avec toi, oui. Après, oui, bah, de toute façon, après, t'évolues au fur et à mesure quand même. Ça, c'est sûr. Ah, ouais, j'aurais fait 6 000. Et même pas 7 000 dedans. J'ai bouffé plus de gasoil que ce que ça m'a rapporté. La façon que j'ai mis mon plateau de coupe là. Ah, je suis bien aussi moi là. Ah, je pourrais pas refermer la trémie. Ah, je vais rentrer comme ça va être tendu. Ouais. Ah, j'ai quand même cherché un tracteur parce que ça fait pas cool. Ça fait pas terrible. Hein. Tractor. Ah, il est où là? Ça, direct au moulin. C'est pas ça est juste hein, pour les sortir après les bottes hein. Bah, la ramasseuse là-bas.
Ah bah à mon avis l'herbe à gauche elle doit être prête. Ça je fais ça ultérieurement. Que je fasse celui-là. Donc ça c'est labouré aussi. Là. J'ai sauvé la boutique avec ça. Oui. Oui. Ouais, parce que j'allais pas partir avec la trémie ouverte, c'est pas cool non plus. C'est pas terrible. Je vais jouer correct, comme jouer un peu correct, pas faire n'importe quoi non plus. Ouais, il va aussi me faire la dose, lui. Je sais pas que je mélange les deux farines.
Putain, elle est mal mise. Je l'ai mal mise la barre de coupe. Va me faire chier dans les virages. Hey, maintenant j'ai pu la prendre. Faut que je la décroche. J'essaie de la sortir ou pas. Non. Ah, faut que je la décroche et raccroche. Ah, je suis trop près du timon. Je sais pas pourquoi elle s'accroche. Elle se remet pas celle-là. Ça va aller un peu mieux là. Il faut pas que je fasse de dinguerie dans les virages. Pardon. Terme des foins. Si je vois qu'elle est vraiment trop grosse, je la changerai. Ce qui m'emmerde, c'est la barre de coupe. Après, j'ai une autre barre de coupe qui pourrait y aller, mais... Putain de Dolly. En plus, derrière, ça tourne aussi. Voilà. Ça fait l'affaire. Voilà. Et ben voilà, ça c'est fait.
Eh ben pour ce soir c'est bien. Bon, j'ai rien oublié, j'ai tout rentré. Ouais, c'est bien. On va voir ce que donnent les poules. Voilà, 100%, c'est bien. Les poules sont là. Le fumier est là. Bon, je pense que j'ai pas, il est pas complet. Au pire, j'en enlève un peu. C'est ce que je suis en train de faire. Aïe. Elles ont les fesses dans la merde, comme on dit. Ça c'est fait. Que tu conduis la boîte au volant. Ouais, bah, ça va être compliqué. Oh, ah, c'est clair qu'on dirait une brouette au volant. Ça va être tendu. Hop, ah, au farming, au volant farming en plus. Ah, wesh. Ah, moi j'ai le volant, mais je joue que à ETS avec. J'arrive pas à me faire. En fait, j'ai la flemme. Moi j'ai un G29. J'ai la flemme de paramétrer les touches en fait. Bah, j'ai pas le pad qui va avec, donc pas avec le pad c'est peut-être plus facile. Et puis moi manipuler les ballots avec un chargeur à la souris, c'est pas pour moi. Autant à la manette j'ai manipule les doigts dans le nez. Mais sinon, là c'est pas. Là c'est compliqué. Hein. À la souris, j'y arrive pas. Bon, les moutes-moutes. Ils disent quoi les moutes-moutes? Ils sont toujours à 100% de l'eau, c'est bon. Oh putain, là aussi il y a la dose. Oh maman! Il y a caca partout! Bon, ça, je fais ça. Je sais quoi faire la prochaine fois. Fais venir ici. Curé. Ben, j'ai pas un godet là. Non. J'ai le Manitou, mais j'ai pas le godet. J'ai la fourche. J'ai pas chez le godet. Ok, ça marche. Pas de soucis, je regarderai. Je regarderai. Bah quand je coupe là je viendrai faire un tour, je regarderai en même temps. Ça marche. Bon, bah moi sur ça, je vais vous dire une bonne nuit. Vous dire à la prochaine. Un grand merci à tous ceux qui sont passés. Et puis je vous dis bah là, pas demain, mais bah lundi, normalement que JB. On va. On reprend normalement l'élevage breton. À moins qu'on fasse un ETS, je sais pas. On verra bien. J'irai bien avec lui. Et voilà. Allez, bonne nuit, Céd. Bonne nuit à tout le monde.
Et allez, ciao, ciao.